content de vous. On n'a pas pris peur. Depuis hier, on est dormi tranquille. Il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont même pas dormi. Tellement il est content. Ouais, ouais. Je salue les Tchadiens, je salue les Mali. Quand même, on est content ici. Aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers de vous. Vraiment. On était trop contents. Vraiment. Depuis hier, on est à l'aise. Voilà. Avant l'arrivée de force, il y a les jihadistes qui nous fatiguent. On interdit de fumer, de regarder les filles. Les filles ne viennent pas au marché. Tout ça là, vous voyez. Mais avant votre arrivée, nous sommes libres maintenant. On fait tout ce qu'on veut. Nous sommes vraiment contents, vraiment. On est fiers aujourd'hui. Vraiment. Je vais à l'école. C'est Moussa Tchegoum Meïga, le chef de village de Menaka. C'est la réjouissance, c'est la liberté retrouvée. Et nous sommes en train aujourd'hui de travailler dans la consolidation des liens sociaux. La population était vraiment traumatisée, il faut la dire. Elle était traumatisée, elle était aussi privée de certains droits. Et que vous voyez qu'aujourd'hui, ces droits-là sont revenus. Si vous écoutez la radio, si vous écoutez, vous voyez les jeunes marcher dans les rues avec leur téléphone portable en train d'écouter de la musique ou bien des sourates du Coran, ça veut dire que la liberté est retrouvée. Pour eux, le respect de la charia, c'est de priver certains éléments, certains jeunes ou bien certains tabagistes de fumer. Très souvent, ils récupèrent les tabacs, ils l'écrasent. Très souvent, il y en a qui sensibilisent, puisque c'est à différents degrés. Hein. Il y a des gens qui sont responsables, un peu responsables là-dedans. Par contre, il y a des gens qui s'en foutent. Quand ils sont sous l'effet de choses, ils se comportent comme n'importe quel individu. Les camarades tchadiens qui sont venus. Ils ont mis la population en sécurité et en confiance. Puisque c'est ça l'essentiel. C'est la confiance justement de celui qui te protège par celui qui est protégé. Donc moi je pense que tant que ça c'est établi, moi je crois que le reste là n'est qu'une question de gestion et une question de gestion de responsable. Ce que je vais encore insister, et je l'ai dit à la radio, c'est que ceux qui sont partis n'ont qu'à revenir. Et ceux qui sont revenus, ceux qui sont là, il faut éviter de donner des fausses informations aux militaires. Le militaire, c'est quelqu'un qui se défend. Et dans ta défense, il faut qu'il se défende lui-même. Et là, il faut l'informer, il faut lui donner la vraie information. Il faut lui permettre d'opérer dans le terrain sans avoir à se reprocher la conscience. Moi, c'est ce que j'ai à appeler envers ma population. Parce que toute cette population composante, j'en suis le responsable moral.